C'est par un soir de juin que Cargo 92 touche les côtes du Brésil, pays hôte de la conférence Eco 92. Le sommet mondial pour sauver la planète va coûter 33 millions de dollars au gouvernement brésilien. Et à deux pas, toute la misère des favelas. Avant son dernier concert à Rio, Mano Negra joue le blues. What's the use of getting sober when you know you're gonna get drunk again? What's the use of getting sober? Chanteur des Dead Kennedys, le plus célèbre des groupes punk californiens, Jello Biafra est venu jouer les troubles fêtes parmi les délégations d'Eco 92. Activiste légendaire et toujours enragé, l'éco-rocker rejoint sur scène les Parisiens de la Mano pour deux reprises de circonstances. What the fuck?